Dans cette vidéo, vous aurez besoin de deux feuilles, une pour la catapulte et une pour le panier. Prenez une première feuille et pliez la diagonale. Pliez ce coin vers le centre en le ramenant environ comme ceci. Il n'y a pas de repère précis. Pliez le bord du bas vers le haut en allant jusqu'à cette pointe, comme ceci, et alignez les bords. Faites la même chose avec ce bord. Sortez la pointe qui est cachée dessous et repliez les côtés comme ceci. Pliez ce bord vers la diagonale. Et faites la même chose de ce côté. Retournez le modèle et pliez la pointe du bas vers le haut. Pliez le modèle en deux. Tirez sur cette pointe pour la faire remonter un peu comme ceci et aplatissez de nouveau les plis sur le côté comme ceci. Pliez cette pointe vers le bas. Faites la même chose de l'autre côté. Écartez la pochette comme ceci. Et pliez-la vers l'arrière. Marquez le pli ici. Et voilà, votre catapulte est terminée. Vous pouvez faire une boulette de papier et la lancer en tirant sur les côtés, comme ceci. Pour faire le panier de basket, vous aurez besoin d'une feuille rectangulaire. Pour cela, je vais utiliser une feuille carrée de 15 cm que je vais couper à environ 5 cm ici. Alors maintenant que vous avez un rectangle d'environ cette taille, mettez le côté blanc sur le dessus et pliez cette pointe vers le côté. Alignez bien les bords sur le côté. Dépliez et faites la même chose dans l'autre sens. Dépliez de nouveau. Retournez la feuille
et pliez le bord du haut jusqu'à ses intersections. Le pli doit passer par l'intersection des deux diagonales. Dépliez et retournez de nouveau la feuille. Ramenez maintenant les côtés vers le bas et le haut comme ceci. Pour former une base bombao sur le haut de la feuille, prenez maintenant un coin et insérez l'autre coin à l'intérieur comme ceci. Enfoncez-le un peu comme ceci. Et cela devrait tenir tout seul normalement. Si ça ne tient pas, vous pouvez mettre un petit point de colle, mais normalement il n'y a pas besoin. Pliez maintenant ce côté vers le centre. À environ cette distance. Encore une fois, il n'y a pas de repère précis. Et faites la même chose de ce côté. Et voilà, maintenant, écartez légèrement les côtés comme ceci et le panier devrait tenir debout. Vous pouvez maintenant vous amuser à viser le panier avec votre catapulte.